Salut à tous. Alors, aujourd'hui, on va faire un coaching setup. Comme j'avais fait un petit peu sur la Ferrari, sauf que là, sur la Ferrari, c'était un petit peu de la retouche d'urgence. Tandis qu'ici, on va préparer quelque chose de convenable. Donc, on va faire un setup complet. J'ai mis en place, grâce à Nirko ici présent, un système de partage de fichiers pratique, efficace et rapide, qui demande 5 petites minutes à installer. Mais une fois que c'est fait, tout va tout seul. Ça me donnera accès à ces data immédiatement. J'ai augmenté un petit peu le son du jeu parce que je trouvais que dans les précédentes vidéos, on n'entendait pas assez le moteur. Donc voilà. Alors, est-ce que tu as déjà un setup avec lequel tu te sens bien? Non, là il n'y a pas encore. On n'a pas encore regardé à ça. Je D'accord. t'avouerai que ici on part vraiment d'une base neutre là. Ok, alors pour le coup, je pense que on peut partir peut-être sur le medium downforce. Ok. Medium downforce ou le maximum, faut voir. Mais je pense que le maximum va être un peu trop contraignant dans les lignes droites. Parce que Ouais. bon, ici, donc Spa, comme je t'avais déjà dit un peu sur la Ferrari, il faut essayer de profiter un maximum de l'appui aérodynamique parce qu'il y a beaucoup de virages rapides. Mais il y a quand même pas mal de lignes droites aussi, donc il faut quand même essayer à pas trop handicaper la vitesse de pointe. Donc je pense qu'un medium downforce pour démarrer serait pas mal. Ok, bah je mets ça alors, medium downforce force. Ouais. Et voilà, hein, ici on est en medium friction. Contrôle setting, traction control. Alors ça, setting 1, on va le mettre sur 1. De quoi? Qu'est-ce que tu mets sur 1? Le traction control Ok. et le slip aussi. On le met sur Ok. 1 aussi. Il n'y a pas d'ABS, donc ça c'est bon. Boost map, le 1 c'est le plus, je pense. Ouais, base running map to wake. Ok. Et 2, ça donne quoi? See note tab for more details. Should generally be used when the car is on track. Le boost map reduce the maximum boost and use the limit will spin while launching. Ouais, ok, d'accord. Donc on reste bien sûr en boost 1. Engine map, on le laisse sur 1. Ça c'est pour différentes options de ces fuels. Qu'est-ce qu'on a ici? D'accord. Donc on part visiblement sur un setup relativement mou en termes de barres anti-roulis, avec énormément de rake. Hein, il y a un gros pitch. Il y a 3 cm de différence entre l'avant et l'arrière. Donc c'est quand même pas mal. Mais bon, on va voir. On va d'abord faire quelques runs, histoire de faire connaissance avec la piste, avoir quelques bases chronométriques. Et on y va.
Tu actives la télémétrie. C'est fait. Ok. Regarde pas à moi, hein. Si t'es plus rapide, vas-y, hein. Ouais, très classe. Moi, je vais rouler. J'ai pas besoin de rouler en fait, vu que je vais me baser sur les datas. Mais je vais quand même rouler pour, on va dire, limite un petit peu me faciliter la compréhension de certaines choses que tu pourrais me dire. Waouh! Ça, j'aurais dû m'y attendre. Pneu froid avec un rake pareil, avec un pitch pareil, j'aurais dû m'y attendre. L'arrière est très baladeur en entrée. Ah oui, hein. Ouais. Ça c'est sûr. Par contre, à l'inverse, m'a l'air un peu souvireur à la remise des gaz. Maintenant, faut voir, hein, les pneus sont froids, je ne vais pas trop juger maintenant. Ah ouais, putain. Ouf, faut faire gaffe, hein. Oui, vraiment. Ce tableau, il faut vraiment faire gaffe. Ouais. Une souvireur dans le lent. Ouais. Tu vois, ici donc on prend nos repères sur le circuit, on essaye de noter ce qui va pas. Bon, apparemment, c'est l'avant qui bloque avant l'arrière. Beaucoup de travail à prévoir, hein. C'est le moins que l'on puisse dire, ouais. Bon, par contre, en milieu de virage, ça va, ça a l'air relativement stable. Mais dès qu'on est à faible vitesse et qu'il n'y a plus d'appui, l'avant a du mal à suivre, hein. Le save de la mort. J'ai désactivé les dégâts, hein. Donc si jamais tu tapes le mur, pas de problème, hein. Ah, ok. Ouais, ça c'est pour éviter de recommencer 25 ouais, fois. Ouais. Ah, moi j'ai recommencé, moi c'est pour ça. Ouais.
Ok, bon, pour l'instant, le raidillon avec un lâcher de pied, ça passe. Ça évite de mettre la bagnole en travers. Intenable en entrée. En Stavelot, c'est l'enfer, quoi. Ouais, faut être concentré. Hein. Ouais. Tu peux pas dire de rouler une main. Non, c'est clair. En fait, tu dois inscrire la voiture et puis remettre ton volant droit et c'est la dérive qui fait tourner la voiture, quoi. Donc ici, je vais faire un premier run de 5 tours. Histoire d'avoir un petit peu le niveau pression des pneus et carrossage, ce qui a lieu de faire. Mais je sais déjà que je vais baisser l'arrière, ça c'est sûr déjà. En carrossage, c'est ça? Non, en hauteur de caisse, je vais baisser la hauteur de caisse à l'arrière. Ici normalement ça passe à fond. Intenable. L'arrière dans le rayon, ça c'est ça c'est chaud quand même, tu sais. Ouais.
sommes partis avec le plein aussi, je pense. Ah merde, c'est vrai, j'ai pas regardé, j'aurais dû regarder. Ah bon, ici c'est de toute façon quelques premiers tours de roue. Je vais te l'envoyer. Parce que Fred est occupé d'enregistrer en même temps. Alors ici, dernier tour lancé. Salut Kevin. Oui, hein, et toi? Ah, par contre, je vais devoir augmenter ton volume parce que je t'entends pas fort. Je vais faire ça dès que j'arrive au stand. Ouais, mais je vais augmenter ton volume dans Discord. Il y a vraiment... Il n'y a pas d'appui dans le lent, hein, ça c'est sûr. Pas d'appui. Il n'y a pas de grip sur l'avant dans le lent. Non, c'est les premiers tours de piste là. Ouais. Là, on part sur la base Medium Downforce. Switcher 2 minutes le temps que de toute façon il fait ses premiers tours de... Voilà, je termine le tour là. Ok. Attends, je switch avec lui 2 minutes à Fred. Ça ouais, ouais, pas de soucis, pas de soucis. Ok, tout de suite. Bon, alors voilà pour ces premiers tours de roue. On va donc regarder dans le garage ce qui se passe. Pression, ça a l'air correct. Donc ça, pour l'instant, on va pas toucher. Alors apparemment, il y a un peu trop de carrossage sur l'avant. Donc je regarde toujours ici, hein. Je regarde pour mettre 10 degrés entre l'extérieur et l'intérieur. Comme premier réglage, après de temps en temps j'irai jeter un œil si nécessaire sur les datas, mais en général je pars là-dessus pour commencer et c'est plutôt pas mal. Ici pareil, hein, il y a 14 degrés donc on a clairement trop de carrossage. Ouais, je suis pas étonné, moins 4,1, on va tout de suite descendre à moins 3,5. Hop. Ici, moins 2,5. Appliqué. Alors ici, on est à 92 litres maximum. Donc ça fait 45-46 litres pour un demi-réservoir. Euh
Ok. Alors, save as. Mirko. Race whip. Save. Done. Alors, première chose qu'on va faire, on va aller jeter un œil sur les datas, même si je sais déjà à quoi m'attendre. Alors, il va aussi falloir que j'aille chercher document, doc setup. Non, c'est pas ça, c'est pas ça, c'est pas ça. Alors, on a ici pour la M8. Donc je vais partir sur les dates, sur les valeurs, les paramètres RST qu'on propose ici au départ. Après, je verrai en fonction de ce qui se passe si ça paraît plausible ou pas. Donc 0690, 0667. Mais je pense avoir déjà fait. Je pense avoir déjà sauvegardé un truc, un profil. BMW M8 GTE IR Medium Downforce, ouais, j'avais déjà créé ce profil-là. Donc on serait à 60-25, je vérifie. Alors, non, pas option. Garage, châssis, on est en soft D4-D5. Soft D4-D5, la M8 elle est ici, soft D4, D5, on serait à 60. D'accord. Donc ça, c'est bon. Toutes les datas que j'avais préenregistrées sont là. Gearing, est-ce qu'on a, est-ce qu'on peut régler? Ouais. Alors 2,455, ça on va rajouter évidemment. 2,475. Premier rapport 2,857. 2,857. 2,188. 2,188. Alors, je vous explique ce que je suis en train de faire là. Il faut savoir que dans RST, il utilise des formules mathématiques pour différentes choses. Et ce sont des formules qui nécessitent d'avoir les paramètres de la voiture. Certains paramètres qu'on peut avoir dans le setup et d'autres paramètres qui sont plus ou moins estimés suivant ce qui se fait d'habitude sur tel ou tel type de voiture. Et en faisant différents tests pour voir un petit peu si les datas que ça rend sont cohérentes. Donc on va dire que c'est encore un peu du working progress à ce niveau-là, mais on a déjà quand même pas mal de choses. Le deuxième rapport, c'est bon. Alors 1,818. 1,579. Et donc voilà, moi j'attends encore. Que le créateur du logiciel me contacte, il va me faire un petit check-up complet. Après quoi, je pourrais vous faire une review complète du software. 1,381, 1,238, 1,238, voilà. On va sauvegarder ça. BMW M8 GTE. Enregistrer. Oui. Voilà. Alors, première chose. Donc on a ici
nos tours qui sont là. Alors, qu'est-ce qu'on va prendre? Ben, on va prendre celui-là. Ce dont je suis relativement presque certain, c'est... Bon, déjà, on va regarder aussi la balance des freins. N'y a pas beaucoup de différence entre l'avant et l'arrière. Par contre, sur la fin du freinage, ça bloque du côté droit. Ok, ça me semble logique vu qu'on tourne à droite, donc les roues de droite se délestent. Par contre, on voit que le différentiel se débloque aussi. Alors, 4, 3, 3, 3, 4, 5. On peut éventuellement remettre un poil de frein sur l'avant. Donc on va partir de 50,8. Bon, c'est déjà beaucoup, hein, sur l'avant. Bon, la différence elle est Pas minime, tout donc à fait. on est parti avec le medium down. Le medium down. Ouais. Mais attention, hein, il y a énormément de pitch. La voiture est très très fort en piqué, donc en entrée de courbe, l'arrière il dégage. D'accord, le medium down force là. Ouais, c'est ça. Oh, medium, ok. Alors, première chose qu'on va regarder, c'est le rake. Et effectivement, le rake est énormissime. Étant donné que on a 27 cm de rake, ce qui est énorme. D'une voiture à l'autre, il faut essayer de rester entre 0 et 10 mm de rake en bout de ligne droite comme base de départ avec une balance de l'appui, donc un COP ici qui doit se situer entre 5 et 10% plus sur l'arrière que le ratio de poids de la voiture. Donc ça on va voir plus tard. On va déjà ici regarder corner weight. Alors, on a 6226 devant et 6838 derrière. Donc, 6226, 6838. Mon petit bloc-notes, il est où? Il est, je ne sais pas où je l'ai foutu. Il est là-bas, oh, de l'autre côté. Nom de Dieu. Alors, donc on avait dit devant. Devant, on a 3113 newtons à l'avant gauche et à l'avant droite, ce qui nous fait donc 6226. 6226. Et à l'arrière, on a 6833. 6833. 6833, ce qui nous fait donc, j'ai pas envie de calculer, donc on va prendre application calculatrice 6226 plus 6833 égale 13 059, 13 059. Alors 6833 divisé par, donc le poids de l'arrière divisé par le total, 13,059 égale fois 100, mais bon, pas besoin, on voit ici, on a 52,3%, donc allez, on va dire 52%, 52% du poids sur l'arrière, et donc forcément 48 sur l'avant. Kevin, j'ai désactivé les dégâts, hein, donc si tu tapes le mur, pas besoin de rentrer au pit, hein, tu peux continuer. Ok, mais je vais quand même essayer, je vais quand même pas te les taper, quoi.
On sait faire ça, on sait désactiver les dégâts, là, il y a Ouais, pas de ouais, souci. quand tu fais une session host, celui qui crée la session peut désactiver les dégâts, ouais. Alors, hop, on va augmenter le volume à 200. Non, allez, 180. Voilà. Le hop. Voilà, plus ou moins. Ok, alors ça c'est bon. Donc, sachant qu'on a un ratio de poids de 52% sur l'arrière, on doit avoir un appui aérodynamique qui se situe entre 57 et 62% sur l'arrière. Donc on doit avoir un COP. Voilà, ici le COP, il est dans les normes. Par contre, on a un rake absolument énorme, donc on va déjà devoir descendre ça et ensuite corriger l'appui si nécessaire. Alors, deuxième chose qu'on peut regarder aussi, c'est Ride 8. Le raidillon, il est là. Hop, contrôle, double-clic. Voilà. Le Ride 8, il est là. Ça, c'est le raidillon. On va zoomer sur le raidillon. Ok, on n'a pas beaucoup de marge dans le raidillon. On n'a pas beaucoup de marge. Donc on va pas toucher à la hauteur avant. Par contre, on va quand même bien descendre l'arrière au moins pour commencer 10 mm. Pour commencer, donc 50,9 devant, 88 derrière. On va passer 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. 2, 3. 1, 2, 3. Appliquer. Voilà. On vérifie. On repasse donc à moins 2, 5 comme on avait fait là tout de suite. Appliquer. Voilà. Ici, on était à moins 3,5. C'est bon. Le twin, il est pas bon, il a bougé. Ça, je sais pas si c'était déjà comme ça. On va le laisser à 0. À l'arrière, on va le mettre à 0 aussi parce que ce sera pour une. C'est combien de temps la course? 35 minutes, je pense, Eric. Non, je pense même que c'est plus. Ils ont modifié. Je vais te dire ça tout de suite. Tu sais que moi, j'ai aucune info par rapport à ça, toujours. Ils n'ont rien publié. Il faut de la pub pour le championnat, mais ils n'ont pas publié de. Alors, ouais, c'est bah c'est 35 minutes, ouais. 35 Pour minutes, le ok. faire. Alors, on va partir sur une base de départ de 0,5 plus 0,5 de twin sur l'arrière et moins 1,50 sur l'avant. C'est 30 minutes et les phases finales, Appliqué. c'est 90. D'accord, 90 minutes. Ouais, ok, on va voir. On va voir. Voilà. Save as whip 1. Save yes. Voilà. Donc ici, le premier travail que j'ai fait. Petite correction de carrossage. Correction du rake. Parce que bon, vu l'influence du rake sur le comportement de la voiture en entrée de courbe, ça sert à rien de regarder la balance en milieu de virage pour l'instant, parce que étant donné qu'on arrive en milieu de virage les trois quarts du temps en contre-braquage, ça fausse Allez, les. pas top là. Ça, ça fa... Non, non, du tout, du tout. Mais bon, c'est les premiers tours de roue. Donc voilà, je vous ai partagé donc une première correction et on va aller voir ce que ça donne en Dans piste. cher ça. Hein? C'est dans cher Ouais, ça. cher setup, ouais. Ouais. Voilà, Ah, maintenant moi je pense j'avais. que.
Est-ce que je l'ai cher? Je sais plus. Non, maintenant que tu me le dis, c'est vrai, je l'ai pas cher, ce malin, ça. Cher, everyone, ok. Donne. Voilà. Donc maintenant, on va faire des séries de 3 tours, ça suffira, hein. Là, maintenant, ça va être principalement voir comment ça Tu se veux pas des comporte. chronos, tu veux juste 3 tours Oui, le quoi. but, c'est pas de faire du hot lap, hein. Le but, c'est de tourner à un bon rythme, voir comment la voiture se comporte et mettre le point sur ce qui va pas. Un demi-carburant, ouais. Je fais toujours un demi-plein pour faire un setup. Maintenant, il faut voir, hein, on va pouvoir modifier ça. Il faudrait calculer la consommation de la voiture. Faudra calculer la consommation de la voiture et faire les calculs pour la durée de la course. Et ensuite, donc, faire le setup avec le carburant à moitié par rapport à la durée de la course. Je sais pas si c'est clair ce que j'ai dit. D'accord. Ouais, parce que. Bon, en tout cas, j'ai compris, hein, aussi. Idem. Ok. Bon, ok, l'entrée de courbe est déjà beaucoup mieux avec l'arrière qui a été rabaissé. Par contre, ça met bien en valeur le sous-virage de la voiture. Donc moi ici la voiture je la trouve sous-vireuse. Hein. Oui, bah disons que là en fait on commence à sentir vraiment l'adhérence de la voiture, alors qu'avant ça on était tout à fait déséquilibré par le mouvement de caisse quoi, qui était totalement parasite. Ouais. Bah, c'est surtout que maintenant on va pouvoir vraiment sentir la vraie balance de la voiture quoi, au niveau grip. Donc maintenant, avec ce qu'on va faire, c'est
Le REC, on va le laisser un peu sur le côté parce que il est moins dérangeant. Donc on va pouvoir commencer à regarder le roulis pris par jet latéraux encaissés, en sachant qu'une GT3, une GTE, ça doit se situer entre 0,3 et 0,5 degrés de roulis par jet. Et comme ici on va avoir une formule avec pas mal d'appui pour profiter des virages rapides, on va plus essayer d'être entre 0,3 et 0,4 que 0,4-0,5. À fond, ça passe pas, ça s'ouvre trop. Voilà. Bon, ici, grosso modo, on a déjà gagné une seconde et demie. Alors, on va...
On va checker un autre truc. Downforce. Axle load. Alors, qu'est-ce qu'on avait? Alors, on avait 7000 newtons sur l'avant et 3900 newtons. Ah non, 7000 newtons sur l'arrière et 3900 sur l'avant. Ce qui nous fait 10900. Allez, on a 11000 newtons d'appui. Donc, quasiment le poids de la voiture. Quasiment le poids de la voiture. Non, mais au total, hein, devant et derrière, hein. Donc 11 000 newtons d'appui. On va voir maintenant. Alors, il va falloir corriger bien sûr avec les nouvelles hauteurs. Donc 50,9, 78,5. Ouvrir. Alors, suspension 50,9, 78,5, voilà. Sauvegarder. Mirko Race. Enregistrer. Voilà. Alors, niveau rake, c'est déjà beaucoup mieux. Toi, Et Eric. 9000. Oui, je suis là. Alors, on est à 7000, 9000, 9800, 9900. On est à 9900 d'appui aérodynamique. Donc, on a quand même perdu pas mal d'appui aéro. Hein. Mais bon, on a un COP à 67%. Qui est beaucoup trop. Ok, 9000, 10 000, je vais voir. Les roues bloquent tout le temps, le freinage est méga dangereux, l'accélération à la petite chicane avant la ligne droite est très dangereuse aussi. Ça soupire un peu, mais quand on freine bien, ça passe. Alors, plop, plop, plop. Alors, voyons voir les hauteurs avec cette configuration-là. Qu'est-ce que ça donne dans le raidillon? Ouais, on est vraiment, vraiment, vraiment limite. Hein. Donc, on peut vraiment pas descendre plus bas avec l'avant. Ok. Alors, première chose qu'on va regarder, c'est pitch roll gradient. Alors là, on voit clairement que la voiture n'est pas assez dure. Elle n'est pas suffisamment dure. Donc, on va devoir durcir. Et on va devoir durcir l'arrière plus que l'avant. Est-ce que c'était correct? Oui, c'était correct. Ok. Alors, on va durcir l'arrière plus que l'avant. Alors, jusqu'où on peut aller derrière? Ah ouais, ça va, on a encore de la marge. Alors, on va mettre deux clics devant et trois clics derrière. 1, 2, 3. 1, 2, 3. C'est normal d'avoir plus de spring à l'arrière qu'à l'avant. Ça dépend de la voiture, mais dans ce cas-ci, oui, ça peut. Ça peut. Ça peut, ça dépend de différentes choses, le motion ratio, il y a plein de choses qui peuvent entrer en ligne de compte. Donc là, pour l'instant, on va d'abord s'occuper donc du roulis pris
parages latéraux pour être dans le créneau habituel. Et ensuite, après, on va regarder la balance avec la distribution de dureté entre l'avant et l'arrière. Alors, on va peut-être quand même déjà encore jeter un petit coup d'œil ici. Ça, c'est bon, ça, c'est bon. On a encore un peu trop de carrossage devant, derrière aussi. Donc, on va en profiter pour faire ça également. Moins 3. Appliqué. On était à combien en hauteur? Je sais plus. Tu veux la hauteur? Attends, hein. 50.9 et 78.5, ok. Donc 50.9. Appliqué. 50.8. Ouais, on va mettre ça. Et c'était combien encore? 78,5. Appliqué. Alors l'arrière, on va encore descendre à moins 2. Le carrossage, appliqué. J'ai dit moins 2. Voilà. On remet un clic ici. Hop. Ici, on remet également où c'était avant. Appliquer. Ok, là, on est bon. Save as. Pitch grad whip. Save. Share everyone. Ok. Voilà. Mirko. Yes. Tu as RST qui est ouvert? Ouais. Attends, je vais t'envoyer les paramètres. On va tâcher un deuxième setup si je vois bien. Ouais. Envoyer un message. Plus. Donc ça c'est bon. Alors voilà. Voilà, je t'ai envoyé les paramètres pour RST, ouais, pour la session qu'on vient de faire. Ok. Tu peux checker, vérifier si tu as bien le même pitch gradient que moi, à peu près approximatif. Hein. Donc je suis à un gros 0,6 à l'avant et un 0,7 à l'arrière. Ok. Ça va. Donc là maintenant, je vais repartir faire un run de 3 tours.
J'ai 0,6 et 0,7 à l'arrière. Ouais, ok, ça correspond. 663 et 713. Ouais, grosso modo pareil. Ok. N'oubliez pas qu'on est en traction control minimum hein, pour pouvoir faire le setup, bien sentir la voiture. Là on a un là. Thank you.
On voit déjà une nette amélioration, hein. Putain. Ouais, on a rien touché à la balance encore. Hein. Là, je fais juste que régler le roulis. Ouais. La prise de roulis. En me basant sur les roulis habituels d'une GT. Et en essayant aussi de choisir le créneau bas. Étant donné qu'on va essayer de miser sur la plateforme aéro. L'objectif étant de passer le double gauche, Stavelot, le raccordement le plus vite possible. Parce que ce sont trois virages où non seulement on peut doubler, et dans le cas du raccordement, ben, il va définir la vitesse de pointe dans Blanchimont et Stavelot. Et le virage avant la chicane va aussi nous permettre, si on le passe bien à fond sans prendre off track, va pouvoir nous permettre de se placer au freinage à la chicane en fait. Ah ouais. Donc important que ce virage là soit vraiment optimisé. Ouais. Quitte à perdre un petit peu de vitesse de pointe pure, si on sort 10 km/h plus vite que les autres, on arrivera au final plus vite que les autres. Ouais. Bon. Alors. On a quoi comme hauteur maintenant? 50.8, 78.3. Sauvegarder. Nirco Race. Oui. Voilà. Alors. Bizarre ça, on prend plus de degrés sur l'avant, un petit peu moins sur l'arrière. Étonnant ça. Étonnant. Kev, t'as activé ta télémétrie gros? Putain que dalle, attends je l'active. Ça fait chier. Depuis tantôt en plus. Je me dis putain c'est pas normal, je vois rien gros. Alors je vais quand même essayer de vérifier quelque chose. Ok, 0,2 mm de différence, ça c'est pas la mort.
180. Alors, on va faire quelques calculs encore parce que je commence à avoir des doutes sur l'IR. Donc, on va vérifier ça. Alors, 59,3. Spring Perchoff 7 à 22,5. Derrière 59,5. Spring Perch à 127. Ok. Alors, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Appliqué. Alors, on a maintenant 65,7. Devant. 17,5 derrière. 17,5 au spring perch, pardon. 66,1 devant, derrière. Et 122 au spring perch. Ouais, là, à mon avis, un gros stress. Alors, calculatrice. -59,3 égale 6,4 pour une différence de 5. Alors à l'arrière on a 66,1 -59,5 égale 6,6. Ah, quoique. Toujours pour une différence de 5. Alors, ça nous fait donc 5 divisé par 6,4. 6,4. On a 0,78. Et 5 divisé par 6,6. Égale 76. Donc on va corriger ça. Ah oui, évidemment, je n'avais pas chargé le ouvrir. Ah oui, là forcément ça me donne de meilleurs chiffres. Néanmoins, je vais quand même corriger l'IR. 0,78. Et devant 0,76. Voilà. Ah ouais, tout de suite c'est mieux. Alors. Cancel, yes, ok, voilà, on repasse à ce qu'on était, donc 50,8, 78,3, 50,8, 78,3, ok. Je te renvoie les nouveaux paramètres. Ouais. Ouais, j'ai corrigé l'IR. Voilà. Alors donc ici on voit on est à -0,54 degrés par G latéraux à l'avant, -0,56 à l'arrière. Donc on voit qu'on a diminué l'écart entre les deux, forcément, vu que j'ai durci plus l'arrière que l'avant. On va encore mettre un clic devant et derrière, ou peut-être même deux. Non, on va en mettre deux, vu qu'on va quand même essayer d'aller sur un setup relativement dur. Appliquer. On repart
on retape les hauteurs comme elles sont censées l'être. T'as de la télémétrie normalement, Eric, là, alors du coup, t'as au moins 2-3 tours, je pense. Voilà, et Ok. C'est parce derrière, que on t'es avait. déjà plus ou moins chaud quand je roulais, donc. Voilà. Ah, c'est en cours là. Est-ce que j'avais pas descendu? Je sens 15 nettement les améliorations avec le setup d'avant. Ben, maintenant j'ai compris, c'est l'antipatinage sur E qui fait que j'ai du mal dans le petit S avant Ouais. la première ligne Le d'arrivée. but c'est quand même vraiment de sentir la voiture. Ah ouais, mais clairement je le laisse comme ça. Ouais. Je l'avais remis sur 4, mais je l'ai remis sur Voilà. 1 vu que tu me l'as dit. Après on voit que une fois que le setup commencera à toucher à sa fin, on fait quelques tours avec l'antipatinage en mode course et voir si ça pose pas de problème de Ouais, sous-virage je dans suis tel ou combien tel en mode endroit. course? Bon, ça sera à vous de voir, hein. Ça c'est vraiment c'est subjectif ça, hein. Surtout que tu peux régler ça au dashboard, donc Ouais, clairement, moi je le règle au dashboard régule tout le temps. voilà, Donc, donc tu peux avoir ton réglage et Nirko peut en avoir un autre, hein. Ça pose ouais, pas de problème. clairement. Ok, ça correspond même avec la télémétrie de Kevin là, le pitch. Ouais. 528 à l'avant et 5, enfin 570 à l'arrière. D'accord, Voilà. d'accord. Ça c'est pas étonnant. Ok. J'ai fait encore petite retouche du pitch gradient. Allez, pour le pitch gradient. Ah ok, tu les numéros, t'as tes setups, c'est bien si je comprends bien. Donc c'est le 3 maintenant, hein? Ok. Yes. Ok, allez, let's go. Et au fait, t'es chauffeur poids lourd, toi, Fred? Ouais. J'ai entendu dire. Ouais, moi, tu sais que j'étais chauffeur poids lourd pendant 10 ans, moi. Ah, moi ça fait 20 ans. Tu roules chez qui? Bayen, c'est un petit patron, il y a 5 camions. Moi, c'est quand même assez. Ça fait 3 ans que j'ai plus touché un volant, c'est fini. Ah ouais, tu roulais chez qui toi avant? Chez Jobé. Jobé? C'est une société de terrassement dans la région, mais j'ai roulé chez Wallo en porte-voiture. Ah ouais. Maintenant ça s'appelle Stoba, j'ai roulé là, j'ai roulé chez Larue, j'ai roulé D'accord. chez Jost, enfin j'ai roulé 10 Chez ans. Just. Ouais, fallait bien commencer quelque part. Ouais. Moi, je l'avais une fois téléphoné un jour où bon, j'étais plus trop motive. Et quand j'avais arrêté d'être indépendant, enfin que je voulais arrêter d'être indépendant, j'ai téléphoné. Quand il m'a donné les salaires par rapport au travail à faire, je dis Ah attendez. ouais, comme quoi, c'est vraiment une boîte de merde. J'ai dit attendez, je dis moi j'habite pas à Bratislava. Hein, Ok. Attends, je peux payer tes Roumains comme ça si tu veux, mais. Mais pas nous, exactement. Ah, je sens la différence déjà là. Je sais pas ce que t'as fait, mais. Je l'ai durci. Ah bah c'est bien. Elle est. Ça va augmenter la réactivité de la voiture. Ah ouais, je l'ai déjà compris direct ça. Et ça va aussi augmenter la stabilité de la plateforme Freinage aéro. déjà, j'ai déjà gagné de la stabilité au freinage. Alors là, il y a quelque chose de concret là, ça c'est sûr. Donc attention, hein, il faut bien être conscient que ce qu'on fait là, on perd du grip mécanique. Hein. Mais par contre, la voiture, elle est beaucoup plus réactive et surtout, on va maintenir une plateforme aéro le plus proche possible, et le plus stable possible. Parce qu'il faut savoir que quand on est dans un virage, par exemple un virage à droite, pour un virage à droite, il y a le côté gauche qui va s'écraser et le côté droit qui va se relever. Mais le côté droit va se relever plus que ce que le côté gauche va s'écraser. Donc au final, la hauteur générale de la voiture sera plus haute. Et donc forcément, ça a une grosse influence sur, ben sur l'appui aéro, tu vois. D'où l'intérêt d'avoir le moins de roulis possible quand on est avec une formule qui va optimiser l'aéro. Après, si on veut optimiser le grip mécanique, on peut prendre plus de roulis, mais alors là, c'est la réactivité de la voiture qui va devoir décider des choix qu'on fait.
Mais là, par contre, ouais, la voiture, elle est clairement. Voilà, il y a une nette différence. Hein. Ah ouais, elle répond clairement à toutes les injonctions maintenant. Et même au freinage. C'est pas la voiture, c'est moi. Mmh. Ah, disons qu'ici on en est encore au stade où on fait, on va dire, les premiers réglages. Donc, on va dire, allez, là, si on loupe quelques cordes ou des trucs comme ça, c'est pas tellement important. Ça va commencer à devenir important, le pilotage, quand on va vouloir commencer à mettre le point sur ce qui pose problème, en fait. Tu vois? Donc là, il va falloir commencer à enchaîner des tours de manière régulière, comme si on était en course, et voir en fait tour après tour si le même problème se répète. Tour après tour, c'est que là, il y a soit un problème de pilotage à régler, soit un problème de setup à régler. Mais bon, ici, là, honnêtement, faut pas trop se prendre la tête sur le chrono, faut juste enchaîner les tours à un rythme convenable. J'ai l'impression d'avoir beaucoup appris en GT3 avec. De quoi? Ah bah ouais, tu m'étonnes. À propos de? À propos des freinages, à propos de l'entrée en courbe. Ah ouais, ouais, ouais.
Ok. Alors, on va aller voir. Donc, on a 50.7, 78.1. Alors, 50.7, 78.1. Donc, on charge Mirko Reis. 50.7 78.1. Alors on est passé à 200 250, donc 200 250. Ah ouais, j'avais pas modifié ça là tout à l'heure. Ok, merde. Alors hop, Mirko enregistré, oui. Bon, malgré tout, ça devrait, je pense, être dans les mêmes gabarits. Hop, le dernier tour. Ouais, on est un peu plus proche. On est un peu plus proche. On va encore durcir un petit peu. De 20, et derrière. 70 appliqué. 1, 2, 3, 4, 5, non, 4, ça c'est trop appliqué, voilà. Voilà, ça on est toujours bon là aussi. Done. Save as. Voilà. Share everyone. Ça, on corrigera après. Bon, je vais vite faire une petite vidange, je reviens. Ok. Alors, j'espère que là, on sera bon. Évidemment, ça prend beaucoup de temps étant donné qu'on part de rien en fait. On n'a même pas, on n'a pas une base de départ. Donc forcément, quand on a une base déjà de départ, ça va beaucoup plus vite. Ouais.
Donc ici c'est vraiment un On voit setup. quand même l'évolution de ce qu'on fait, pas de ce que tu fais. Hein. Ouais. Donc ici on fait vraiment un setup complet en partant d'une feuille blanche. Donc ça va vraiment demander beaucoup de travail. Elle commence à être bien vive, hein. Bien Ouais. réactive. Ça commence à être sympa, hein. Moi ça commence à me plaire en tout cas. Ouais, clairement. Les freins sont très dangereux. Dès que je relâche la voiture, elle chasse. C'est peut-être un problème de DGM. Ça part vraiment. Dès que je relâche, elle part. En fait, il y a deux, trois petites choses qu'on va voir après chaque étape qu'on va corriger, genre le carrossage, la balance des freins. Ça, ce sont toutes des petites choses qu'on va recorriger au fur et à mesure. Oula! Qu'est-ce qu'il y a? Ouais, je me suis un peu surpris à l'arrêt de bus. J'y suis allé un peu fort en entrée. Du coup, j'ai perdu l'arrière. Le freinage commence à être délicat. Il l'est depuis le début. Frère. Ouais, ouais, non, mais là, ça commence à être vraiment. C'est déjà deux fois que je perds l'arrière à l'arrêt de bus. Heureusement, il n'y a pas les dégâts. Ah, ouais, mais bon, ça, je le fais exprès. Hein, parce que je sais bien que quand on fait des setups, parfois, on tente des trucs pour mettre un peu la voiture à l'épreuve. Et donc, forcément, bah, y a des fois, on se plante. Et s'il faut chaque fois recommencer, c'est saoulant, quoi. Ouais.
On a toujours ce sous-virage en milieu de courbe. Hein. Ça, évidemment, comme on n'a pas touché la balance, ça ne change pas. Bon, alors. Charger, Nirco Race, ouvrir. Alors, suspension. Hauteur des caisses. On est maintenant à 50.8, 78.3. 50.8, 78.3. Et on est à 2,20, 2,70 je crois, c'est ça, 2,20, 2,70, ouais. Sauvegarder, Nirco Race, oui. Ok, alors voyons voir. Ici. Ok, on commence à être dans le créneau. Je vais remettre un clic de dureté sur l'arrière. On va mettre donc l'arrière à 2,80 et il sera dans le créneau. Hop, hop, appliqué. Voilà, save as. Voilà, on a réglé le pitch gradient, donc on va passer ensuite à la balance de la voiture. Donc je vais finir ici cette vidéo et on en redémarre une tout de suite après. A tout à l'heure.